Une journée type, on va commencer par se détendre, mais en réveillant son corps, puisqu'on arrive à 9h du matin. Tout le monde n'est pas totalement réveillé, donc on fait des petits exercices physiques et rigolos pour éveiller l'esprit et le corps. Ensuite, on va passer sur des ateliers. Par exemple, aujourd'hui, on devait créer une activité. C'était la première activité que je créais, donc c'était compliqué, mais que ce soit les animateurs ou les stagiaires qui sont avec moi, ils ont toujours été très gentils et très compréhensifs. On est tous au même niveau. Donc on arrive, souvent on fait un petit jeu pour se préparer, pour se réveiller. Après, soit il y a un temps, on a des explications, comme ce matin sur la discrimination, on est par groupe, on doit créer des choses, ou sinon on doit faire des activités. Après, on a une pause, après, ouais, on enchaîne avec des activités. Donc soit on a des jeux proposés, soit c'est à nous de les faire. On mange très bien. Et après, ouais, c'est ça. Par exemple, cet après-midi, on va avoir des activités à créer nous-mêmes. Donc, on va faire des jeux. On va avoir un temps où on parle, on fait des points. Enfin, ouais, c'est beaucoup d'activités, beaucoup de jeux, beaucoup d'explications. Après, en lien avec les activités sur les différences trans d'âge, les discriminations, les différences, comment gérer les enfants, tout ça. Par exemple, le matin, on arrive. On va dire le premier jour où on arrive, on se connaît pas. Donc les premiers jeux qu'on peut faire, c'est on fait des jeux sur les prénoms, l'âge et tout ça, enfin ce qu'on fait pour apprendre à se connaître. Ensuite, on fait beaucoup de théories. Enfin, par exemple, le premier jour, on a rempli un dossier vraiment sur nous, ce qu'on faisait, nos loisirs et tout ça. Et à un moment dans la journée, pendant une heure et demie, on s'est posé, on a tous parlé de ça, on a tous décrit nos vies. Puis tout le monde pouvait nous poser des questions. Après, le deuxième jour, on a beaucoup plus bougé, on a fait des activités sportives et tout ça. Comme là aujourd'hui, enfin, c'est vraiment top. On fait beaucoup de choses, on a des projets aussi. On monte nos projets nous-mêmes en fait.